Et toi, est-ce que tu as envie de soutenir un ami au lieu de regarder les mêmes vidéos? Oh oui, bien sûr. Mais comment je fais pour l'aider? Parce que, en fait, j'ai pas d'argent et ma famille, elle en a besoin et moi... Pas de problème. Je suis là pour l'aider. Super Yoti. Waouh. Mais... Enfin, il paye plus. Et non, Utip, le site pour soutenir les créateurs d'Internet. Utip est une plateforme qui permettra à une communauté d'un YouTuber, d'un Twitcher ou encore d'un Twittos d'être au courant de ce qu'il fait en ce moment. En plus de ça, la communauté peut tout simplement aussi aimer ou tout simplement aussi de participer à faire des dons. En plus de ça, ça permettra à certains qui soutiennent réellement d'avoir plus vite les vidéos en avance comparant aux autres. Et même aussi parler entre MP en cas de besoin. Il y aura aussi le Fire Tippers qui est tout simplement un abonnement spécialement prévu pour les tippers de ce site qui permettra de tout simplement de faire un don d'un euro pour le créateur qui l'a soutenu, 1 euro pour d'autres créateurs et 1 euro pour tout simplement Utip. C'est génial! Je prends ma carte bleue! Vas-y, prends ton temps si tu veux. En plus, Hugo a commencé à faire un petit t-shirt sympa, très classique, mais très spécial pour tout simplement être affirmé que vous êtes un grand fan. C'est peut-être pas le t-shirt le plus cool du monde, mais au moins ce sera mieux que ce que vous pouvez trouver sur un site chinois. Oh non, je suis à sec, je ne pourrais pas soutenir cette pauvre personne. Pas de soucis, l'ami. Utip peut te proposer tout simplement de regarder une publicité gratuite. Il suffit de cliquer sur ce bouton, ensuite tout simplement regarder la vidéo de quelques secondes pour avoir cette affiche et avoir tout simplement cette notification. Ça rapporte que quelques centimes, mais c'est déjà un grand cadeau que tu lui fais. Waouh, mais c'est génial! En plus, j'ai même pas de bloc. Et ça, c'est vraiment une personne qui aime soutenir ses meilleurs amis. Alors n'attends plus et regarde dans la description avec le utip.io/thegeek.